On est effectivement sur les championnats de France de raid multisport, puisque depuis 4 ans, on est officiellement une fédération dégataire avec le tri, et donc on a le droit de délivrer des titres de champion de France. Alors, prologue, le but c'est d'aller vite, chacun dans sa discipline. Donc le premier relayeur natation va passer la main ensuite à un relayeur en swimrun, puis vient le roller, et pour finir, une petite section en orientation très rapide. Ce qu'on vient chercher, c'est le dépassement de soi et le dépassement en équipe aussi. Donc partager une épreuve ensemble et à la fois le plaisir de courir en pleine nature. Alors, les raids d'aventure, c'est un enchaînement de disciplines de nature, donc le tout non motorisé. C'est minimum 3 activités ou ateliers. Libre choix en fait de l'organisateur, et c'est souvent plutôt les territoires que tu traverses qui dictent ce qu'on fait. S'il y a une rivière, ben, on va prendre un kayak, etc. Et du coup, ça se pratique en équipe. Donc voilà, on a souvent des équipes mixtes, mais sur le format championnat de France, on a hommes, mixtes ou femmes. L'année dernière, par exemple, l'équipe qui a gagné au scratch, donc de toutes catégories confondues, ça a été une équipe mixte, ce qui arrive très très rarement, pour ne pas dire jamais en sport. C'est un peu la chance qu'on a en raid multisport, c'est que les féminines ont une place prépondérante, parce qu'il y a beaucoup de stratégies. Sur la stratégie, sur l'endurance longue, sur le format de course, tout le monde a sa chance, et c'est ce qui fait l'intérêt de notre sport. On va faire nous de mieux, voilà. C'est une première expérience, donc voilà, c'est la première fois pour nous. D'accord, voilà. Première fois et départ premier quoi. Ah, c'était le prologue, voilà, on va voir maintenant. On est content de retrouver un peu le chemin des raids et de l'aventure. On va essayer de faire une course régulière, je pense que là, le plateau en mixte il est énorme, donc on est pas serein du tout quoi. Là, sur la journée de samedi, on est 4 par équipe, mais il n'y en a que 3 en course. Et on a le droit d'avoir un remplaçant à chaque changement de section. On s'est répartis suivant nos spécialités quoi. Je les laisse partir en VTT parce que je suis moins à la bagarre en VTT. Donc je préférerais faire plutôt les parties à pied quoi. Il y a toujours une petite stratégie, mais je peux pas trop en parler devant la caméra, c'est trop.
ça va être très très joueur en single, en VTT. C'est vraiment un paradis. Il y a des singles de fou partout. On a beaucoup de points patrimoniaux. Vraiment, il va y avoir des surprises, des choses même qui datent des premiers siècles de notre ère. Très peu de dénivelé, ça va être un format ultra rapide. Donc voilà, on s'est fait plaisir avec tout ça. Que du bonheur, c'est que du plaisir, c'est un régal ces sentiers là. Et en plus, il fait beau, un peu de vent, mais c'est royal. Ah, toi, tu passes bien, ouais. Ça va pas dans le bidon ? Un chouette terrain de jeu chez vous. Qualité physique, il faut en avoir pour jouer dans le classement, mais les compétences d'orientation sont très très importantes. Puis après, savoir courir en équipe, se faire confiance, connaître ses coéquipiers, c'est très très important dans cette discipline, et c'est en ça que ça en fait une discipline spécifique. On peut pas la confondre avec une autre comme le triathlon ou autre. Levez la culasse pour armer, mettre votre plomb dans le petit canal qui est ici, le côté plat en premier. Il y a beaucoup de valeurs humaines, j'ai envie de dire, sur le raid, parce que c'est vraiment l'équipe. Donc beaucoup d'entraide, de solidarité, de complémentarité. On n'est pas obligé d'être au top sur tous les sports. On a toujours des moments où on est plus ou moins bien à la course. Et voilà, le fait de se retrouver à plusieurs, ouais, ça change tout, quoi. Voilà, c'est vraiment la valeur de l'entraide dans l'équipe, et puis surtout la bonne ambiance qu'il y a dans le raid avec les autres équipes, quoi. Voilà, c'est une rivalité saine, quoi, je trouve. Ce partage et ce collectif, et tu avances pour le collectif, tu essayes de tout donner pour les autres, et ça, c'est ce que j'apprécie énormément dans le raid. Si je suis un peu limite physiquement, je sais qu'ils seront là, quoi. Et ça, on ne trouve pas partout. Ce que j'aime retrouver, c'est justement cette ambiance. C'est une amitié, une façon de courir. C'est toujours chaleureux, même quand on se voit au niveau des entraînements, c'est des bons repas, c'est des bonnes bières. Je trouve que ces à côté, ils sont aussi importants que la course. C'est plutôt l'amitié par le sport, on va dire. Et je trouve que le raid est bien représentatif. Ben c'est parti pour le deuxième jour. Hein. Écoute, petit tour de VTT pendant 3 heures, et puis ensuite rejoindre l'Ardèche en trail, orientation. Et puis terminer par la descente de l'Ardèche, ça va être magique. Ça va être vraiment une belle fin de raid. On va essayer de prendre du plaisir au maximum. De toute façon, c'est en prenant du plaisir qu'on arrivera à faire bien. Donc voilà, prendre du plaisir.
Faut qu'on soit parti avant qu'ils arrivent. On sait pas combien ils sont, mais on va pas savoir. Le nombre de raideurs en France augmente, les jeunes arrivent et puis gardent l'activité. Donc ça, c'est super chouette et on voit vraiment que aussi le championnat de France jeune, il grossit. On a de plus en plus de spécialistes, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait des sportifs ex-kayakistes, ex-quelque chose qui venaient au raid. Là, on a des raideurs depuis qu'ils ont 10-12 ans, donc ça, c'est vraiment l'évolution. Alors pour donner envie à un jeune à faire du raid, faut le présenter avant tout comme une aventure. Un jeune qui a fait du raid une fois, il a envie d'en refaire, c'est une certitude, parce que c'est une aventure collective, dans un milieu naturel, c'est se débrouiller tout seul, c'est passer à des endroits improbables, c'est changer d'activité, tout le monde peut y arriver finalement. Les compétences qui sont développées, c'est essentiellement l'endurance, et ça tout le monde est capable de développer de l'endurance, au contraire de la vitesse. Ouais, donc nous, dans notre équipe, on est trois anciens, et puis le troisième, c'est un petit jeune qui a 20 ans, et qui est issu de la section sportive que j'encadre. Donc, il s'appelle Gauthier, et il a intégré notre team à l'âge de 19 ans. Du coup, il a super bien réussi, parce qu'il a été champion de France junior plusieurs fois, UNSS X fois, et puis finalement, quand il est arrivé dans ses études supérieures, il a réussi à intégrer notre team de raid. Le cas particulier, c'est que pour la première fois, on a autorisé les kayaks perso. D'habitude, tous les ordinateurs font appel à un prestataire de service qui loue des bateaux, mais qui ne sont pas du tout compétitifs. Or là, on veut que la discipline kayak progresse. On a une très longue section kayak de 30 km sur la rivière Ardèche avec 4 rapides de classe 3. C'est rare qu'on raid le fait d'être kayakiste soit un avantage. Donc sur l'Ardèche, ça va être le moment un peu de montrer que en étant kayakiste, avec des bonnes embarcations, on peut faire de la différence. Quand on a des bateaux de location, tous les bateaux ont la même allure. Que tu sois bon ou pas bon, ça fait exactement le même temps. Tandis que là, les bonnes équipes vont prendre des bateaux qui sont plutôt rapides, mais forcément plus instables. Ce matin, des pratiquants sont venus, je pense qu'au niveau nuisance, il n'y a rien du tout. Et ils sont rentrés dans l'épreuve bateau, vraiment en rentrant dans un parc régional qui était fabuleux. Et ça a été au niveau panorama pour tout le monde, et surtout à des heures un peu tôt le matin avec des lumières superbes. Ça, pour beaucoup, je pense que ça a été quand même une valeur ajoutée au raid. Le fait d'être champion de France en Ardèche et de saveur un peu particulière, je commence à être ému. Et c'est vrai que là, le fait de gagner à domicile sur un territoire qui est cher, qui a beaucoup de valeur pour moi au niveau familial, au niveau culturel, c'est vrai que sur la fin, ça n'a pas été facile à gérer au niveau émotionnel. C'était vraiment agréable et de se retrouver surtout dans ce contexte sanitaire un peu particulier avec tous les copains du raid. C'est vraiment un super week-end et je remercie encore Hervé et toute son équipe qui ont fait un travail formidable pour que cet événement ait lieu. Merci. Le bilan très positif, tous les bénévoles sont contents. Bon, c'est comme chaque année, hein, comme chaque fois, c'est usant, fatigant pour tout le monde. Mais voilà, le résultat est au bout et la satisfaction aussi.